Vous savez, dans la vie, il faut être juste. Pour juger quelqu'un, pour apprécier quelque chose, il faut savoir quelle est la responsabilité que cette personne, cette autorité, cette entité ou ces groupes a. C'est comme quand vous faites l'examen. Je pense que vous ne pouvez pas juger, par exemple, corriger le devoir d'un sociologue en demandant de faire des démonstrations à travers des formules mathématiques comme un avion vole. Vous l'aurez causé du tort. Vous ne pouvez pas évaluer un médecin en lui mettant au pied du mur pour construire. En d'autres termes, pour évaluer, pour parler du bilan du CNRP, c'est de savoir en réalité quel est le contrat social qui nous lie au CNRP. Quelle est la raison pour laquelle les Guinéens ont soutenu le CNRP? Quelle est la promesse que le CNRP a faite aux Guinéens à la suite du coup d'État pour qu'ils bénéficient du soutien dans les rues, par la diplomatie, par le plaidoyer de certains, mais aussi du bénéfice du doute de d'autres qui ont jugé nécessaire de le juger à l'acte, à l'œuvre. Alors, si nous allons dans ce sens, nous faisons un jugement objectif, une appréciation responsable et objective. Donc, je pense à face de commentaires, quand le CNRD a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? C'est de donner de la dignité aux Guinéens, de donner plus de droits aux Guinéens, de donner plus de liberté aux Guinéens. Il suffit alors, on est croyant, pour apprécier quelqu'un, ne l'apprécie pas sur les missions dont il ne s'est pas engagé à faire. Ne l'apprécie pas sur des choses sur lesquelles il n'a pas été garant dans votre contrat social. Alors la première des questions que moi je me pose, toute personne de bon sens, de bonne foi, doit nous dire aujourd'hui, est-ce qu'on a plus de liberté au bout de ces 3 ans qu'avant le 5 septembre 2021? La preuve en est que les médias sont fermés. La preuve en est que les autorités actuelles nous disent que des adultes ont le droit de disparaître. La preuve en est qu'ils nous disent qu'ils se comparent à des états où ça disparaît. Est-ce que vous avez plus de droits? Est-ce qu'on a plus de liberté? Est-ce qu'on a aujourd'hui plus de paix intérieure? Est-ce qu'on a aujourd'hui plus de sentiments de sécurité? Je pense que non. Deuxième niveau aussi, qu'est-ce que c'est de rassembler les Guinéens, réconcilier les Guinéens? Est-ce que vous sentez ça aujourd'hui? Ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont des injures. Lorsque des soutiens du CNRP peuvent enclencher une sorte d'épidémie d'injures sur les réseaux sociaux. Lorsque des imams ou ceux qui sont censés être des régulateurs sociaux sont devenus des blogueurs, est-ce que vous croyez que alors nous sommes mieux rassemblés, nous sommes mieux réconciliés aujourd'hui? Alors quand on vous dit aussi qu'est-ce qui est de donner le pouvoir au peuple? Dites-moi, quelle est la manière de donner le pouvoir à un peuple si ce n'est pas de choisir, de lui permettre à travers les voies régulières, à travers un processus électoral libre, transparent et équitable, dis-je, inclusif, pour permettre de choisir ceux qui doivent parler et agir à son nom? Qu'est-ce que vous voyez dans ce sens? Pire, mieux encore, même les engagements que le CNRD a pu librement dire qu'après 1 mois, 1 an, 4 mois de bonus, c'est-à-dire du 5 septembre 2021 au 31 décembre 2022, le CNRD galamment nous a dit
Alors là, après tout ça, là, c'est bonus. D'ici 31 décembre, toutes les commissions seront réunies et nous allons dire, nous allons remettre le pouvoir au peuple. Vous avez vu ce respect de ces engagements? Honnêtement parlant, ne me ramène pas à parler d'autres aspects, parce que la moralisation, je pense que ça passe de commentaires. Il n'y a pas eu de période où il y a la corruption dans l'air comme maintenant. Pour nous résumer, pour ne pas perdre de temps, c'est pour cela que j'ai dit, je jugerai le CNRD. Je sais qu'ils ne sont pas faits pour certaines choses, mais les engagements qu'ils ont pris, le contrat social qui les lie au peuple, je les juge en fonction de ça, et à vous d'apprécier ce que j'ai dit en lien avec les engagements. Merci.